Un jour, un avocat m'avait dit, dans la cour de récré, on voit qui sera avocat, qui sera juge d'instruction. Il était dans quel état? Nerveux, paumé. Je deviens fou ici. Inquiet pour ses enfants plus que pour lui. Tu veux le défendre? Oui. Cette histoire, c'est comment quelqu'un qui n'a pas accès à la parole va être défendu par quelqu'un qui use de sa parole, mais presque prend la possession de l'âme de l'autre. Quoi. Bon, parce que c'est quelqu'un qui est prisonnier, qui a affaire à au milieu judiciaire. Et tout d'un coup, il y a cette personne, cet avocat, qui lui s'arrête, l'écoute et se met à le croire. Je suis Maître Monnier, votre avocat commis d'office. Je sais même pas pourquoi on se voit, monsieur. J'ai trouvé que le scénario était formidable à lire, quoi. Ça se lit comme un polar et ça m'a plu. Ouais. Grégory est touchant. Il a à la fois un visage d'enfant et à la fois un corps de géant. Donc cette espèce d'ambiguïté me touche. Et puis surtout, n'écoute pas, bouge-toi les oreilles. Surtout parce que c'est un immense acteur. Voilà. Tu peux revenir. Vous allez me raconter précisément ce qui s'est passé hier soir. Je leur ai déjà expliqué. Oui, mais là, c'est à moi qu'il faut expliquer. Très, très bien. Il est formidable. Parce qu'il m'avait demandé de dire ça. Mais ceci dit, c'est vrai. La preuve, c'est que je ne sais pas dire comment il dirige. Parce que c'est dans le... C'est jamais pareil, il n'y a pas de règle. Comme pour faire un film, il n'y a pas de règle, c'est à chaque fois différent. On avait un peu sa coulisse d'acteur. Et ça, c'était chouette. Le film de procès, c'est un film de genre. Le but, quand on fait un film de genre, c'est de surprendre les gens avec ce qu'ils connaissent. Oh, avocat, bien entendu. Si on transfigure, si les mots sont une arme, c'est quelqu'un qui a un pistolet qui dit « Mais toi, t'en as pas, mais toi derrière moi, j'en ai un ». C'est quelqu'un qui est là pour que ça soit égal, pour que le dialogue soit, comment on dit, soit équilibré. Leur métier est de rendre la justice et de trouver la vérité avec le plus d'humilité possible. Voilà. La loi ne demande pas aux juges les moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle leur prescrit de chercher dans la sincérité de leur conscience les preuves contre l'accusé. En rime, il y a voiture qui me vient. Confiture. Mais c'est là, voilà. Culture. La culture, c'est la vie.